40e édition du Tour de Corse, les organisateurs avaient choisi un tracé dit à marguerite composé de trois boucles Ajaccio-Ajaccio. 53 équipages au départ, dont une Ford Cosworth RAS aux mains de Patrick Bernardini, trois Renault Maxime Egan avec Philippe Bugalski, Jean Ragnotti et l'Espagnol Oriol Gomez. Du côté du Lyon, trois Maxi 306 pilotés par Gilles Panizzi, François Delecourt et François Chatriot. Sur les trois Subaru Impreza, une est préparée par Citysport pour Marco Massarotto, les deux autres par ART pour l'Italien Andrea Navara et le Suisse Olivier Burri. A noter la Clio Maxi de Claude Balesi qui rentrera dans le top 10. Dans un certain terrain piégeux, sept spéciales au programme de cette première étape. Action. Patrick Bernardini, malgré les 5 scratchs réalisés, rentrera 5e à Ajaccio suite à une crevaison dans la spéciale numéro 1, perdant plus de 3 minutes. Un problème de choix de pneus met François Chatriot et sa 306 Maxi second à 1 minute 03 du leader et François Delecourt 6e à 2 minutes 23. Après avoir pris la tête du rallye à l'issue de la deuxième spéciale, Marco Massarotto pointe 3e à 1 minute 34. Quant à Gilles Panizzi, quatrième, aux prises lui aussi avec les mêmes problèmes que ses compagnons d'écurie, aura en plus à subir des ennuis d'alimentation d'essence sur sa Peugeot. Je paye ce soir les deux grossières erreurs des pneumatiques. Puis voilà, hein. Je veux dire, ce matin je le prends sur moi parce que c'est moi qui ai pris cette décision un peu folle, mais bon. Je pense que si j'avais eu raison avec des cimes, enfin, quand j'ai vu l'arrière-pays qui était tout noir, chargé d'eau et tout, c'était comme ça depuis 8 jours. Depuis 8 jours on quitte Ajaccio, depuis les reconnaissances, là-bas derrière c'est noir et ça tombe comme ça beaucoup. Ce matin c'est rien tombé. Bon, c'est tout. J'ai eu tort. Mais ensuite, après on a eu des informations des ouvreurs qui n'étaient pas mauvaises. Simplement c'est qu'ils passent trop tôt dans le temps, les conditions météo changent tellement vite.
En une heure et demie, les routes changent et deux fois, on a pris depuis qu'il ne fallait pas. Et puis comme les spéciales sont forcément doublées avec les assistances interdites, j'ai fait quatre spéciales en pneus pluie alors qu'il ne fallait même pas en faire une. C'est à bout de bras que Jean Ragnotti rentrera sa Mégane à Ajaccio. Direction assistée, cassée. Leader de ce Tour de Corse 96, Philippe Bugalski aura tout au long de cette étape bien géré sa course, notamment dans le casse-tête du choix des pneumatiques. ...148 km à parcourir dans cette deuxième étape avec un Patrick Bernardini bien décidé à remonter son retard. Milan, il n'était pas trop positif au départ parce qu'on a des problèmes de pneumatiques. Au bout de 15 km, nos pneumatiques s'essoufflent. On a pas mal de gens qui sont dans les intermédiaires. Après 7, 8, 9 km, voire 10 km, on est quasiment dans les tonneaux de car. Il y a juste Bernardini qui est un cran devant. On est même des fois plus vite que Navarra. Et après, les pneus surchauffent et on arrive en agonie au bout d'un certain moment donné. On est obligé de lever le pied, on a fait des têtes à queue. Et bon, ben, ça s'est soldé quand même par un super temps dans la dernière parce que tout est humide. Donc on espère que demain il y ait un petit peu de pluie et qu'on puisse un petit peu se régaler. Point à la fin de la journée et après cette spéciale. Patrick Bernardini signe 6 scratchs sur 7. Mais à chaque jour suffit sa peine. La veille, ce fut une crevaison. Et dans cette étape, deux rencontres lui font oublier des secondes reprises grâce à une attaque à 150%. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette spéciale de Porto Piana? J'ai tendu un peu trop fort une trajectoire de sortie d'insérée pour passer un gauche derrière. Assez vite, il y a le trottoir qui revient légèrement, une pierre du trottoir qui revient légèrement, et ça m'a arraché la roue arrière complètement, mais la voiture, sur le choc, a calé, et on a perdu beaucoup de temps pour la remettre en marche. Problème chronique de direction assistée sur la 306 de François Delecourt. Châtelliot tape lui aussi, perd une minute, et offre ainsi la seconde place à l'issue de l'étape à Marco Massarotto, qui n'aura cessé de faire jeu égal avec les pilotes officiels. Oui, c'est fabuleux, je suis très content de ma place. J'ai eu des pneus Michelin aujourd'hui qui sont beaucoup mieux adaptés que les Pirelli que j'avais, qui sont d'une ancienne génération. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très performants. Et là, je me sens plus en sécurité, plus à l'aise avec l'auto. Tu pensais comme ça pouvoir revenir sur les équipages de tête? Non, pas du tout, mais c'est les pneus qui m'ont agréablement surpris. Demain, l'objectif? Eh bien, de toute façon, on va rouler, puis on verra ce qui est faisable et tout au moins conserver cette place. À la veille de l'étape décisive, Philippe Bugalski compte 1 minute 15 d'avance sur Massarotto, 1 minute 56 sur Panizzi, 1 minute 57 sur Châtelliot, 2 minutes 12 sur Bernardini en pleine remontée et enfin 3 minutes 02 sur François Delecourt. C'est toujours important d'entrer en tête, de toute façon, ça c'est clair. On était bien hier, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas bien aujourd'hui, donc on rentre en tête aujourd'hui sur cette deuxième étape. Patrick a eu malheureusement a fait une petite faute dans Porto Piana, sa spéciale à lui, et donc il a perdu du temps. Maintenant
Après ce moment-là, moi j'ai géré beaucoup notre avance sur Marco et sur les Peugeot. L'incertitude du temps reposera le même casse-tête pour les choix de pneus tout au long de cette dernière étape composée de 6 spéciales. 140 km qui amèneront une deux roues motrices sur la plus haute marche d'un podium en championnat du monde de litre. On a vraiment fait un tour vraiment sans le moindre problème aussi, au niveau mécanique et puis sans faute de pilotage non plus, sans faute d'ouvreur, je veux dire c'était un régal, tout s'est très bien passé. T'as pensé au retour de Patrick ? J'y ai pensé mais il était tellement chaud que je me disais qu'il pouvait plus facilement faire des fautes que nous. Nous on roulait pas à 100%, lui il était à 120, donc c'est sûr qu'il était un peu plus soumis à une pression intense. Ça me rappelait un peu le Monte Carlo mais dans une solution inverse. Ça fait combien de temps que Renault n'a pas gagné un Tour de Corse ? Eh ben je sais pas, 80... Jeannot 85, voilà. Alors j'ai eu une deuxième place à l'arraché. Ouais, c'est à l'arraché. Je suis vraiment très 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 content pour Peugeot, pour moi, surtout pour moi, parce que mon frère et moi, quoi. Parce que en général, à ce petit jeu-là, quand on est en bagarre à couteau tiré en fin de rallye, je suis généralement perdant. Alors ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu remonter et de mettre la voiture sur le podium. Et bien entendu, bénéficier d'une erreur de Patrick. Dans la matinée et qui nous a permis de monter encore une marche supplémentaire. Et si tu veux, c'est peut-être le 13e, c'est la malchance, c'est un peu tout ça. C'est un mélange de tout. On ne peut rien faire. Il y a une crevaison, tu dis bon, normal. Tu te le vaux, normal. Tu touches, normal. Il y a un truc, tu vois, qu'imaginer, c'est quand elle a calé, qu'elle a pu vouloir démarrer pendant 1:30. Tu vois, là, ça je regrette, tu vois, ça aurait tout changé. J'aurais pas eu besoin d'attaquer aujourd'hui comme ça. C'est 7 minutes 30 qui est gêne, mais c'est la vie. Voilà, pour Philippe Lugaski, Jean-Paul Tironi, vainqueur de cette manche du championnat des marques de litre. A noter pour terminer les abandons de Puras, moteur cassé, et la violente sortie de route de l'Espagnol Oriol Gomez, sur sa Maxi Mégane. 53 partants, 33 classés.